Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Blox Foot. Alors c'est le moment de jouer à ce jeu magnifique qui se retrouve sur Roblox. Et cela fait longtemps qu'on n'a pas touché à ceci. Et le truc c'est que nous avons encore beaucoup de choses à faire dans ce jeu, même si on l'a complété à quoi, 90%? La première chose à faire c'est prendre ce camp parce qu'on va avoir du cash gratos, voyons donc. Alors là, je sais même pas si j'ai complété le jeu à 90%. Peut-être que je l'ai complété à 95, à 80. Yo, il y a beaucoup de choses que je connais pas dans ce jeu, mais tout ce que je sais c'est que je vais aller chercher un fruit ici. Let's go! Qu'est-ce que je vais avoir? Rocket Fruit que je n'ai pas besoin. Ben, pour être honnête avec vous, j'ai besoin d'aucun fruit parce que j'ai tous les fruits ici. Regardez ça, je les ai tous achetés. Ouais, je les ai tous en permanent et j'ai gaspillé beaucoup d'argent sur ce jeu. Ouais, c'était crazy, man. Il y a une chose que plusieurs d'entre vous veulent vraiment que je fasse. Le Phoenix Fruit qui est là, là. Ah, oh, je l'ai déjà équipé, my bad. Eh ben, il y en V1 en ce moment et puis, à ce qui paraît, on peut le mettre en V2 pour améliorer tous les skills qu'on a là. Voyons donc. Yasha! Yo, j'ai complètement oublié à quel point les animations dans ce jeu sont insane, man. Ben ouais, on peut la V2, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, la première chose à faire, l'amener à Mastery 400, et moi, je suis à 252. C'est pas assez haut. Alors, j'ai équipé le fruit du portail, et on va se téléporter à Ice Cream Land, je pense. Attends, est-ce que c'est elle que je vais aller détruire? Cake Queen! Yo, puisqu'elle est là, je vais essayer de la détruire. Let's go, man, juste pour le plaisir. Je vais pas prendre de quête. D'habitude, je prends toujours une quête avec le bonhomme là-bas pour avoir de l'argent là, mais je suis pas resté aujourd'hui. Allons la détruire. Yo, pour vrai, on dirait que mon bonhomme, il n'y a pas de vêtements à part un petit foulard. Mais bon, comment on utilise le haki encore? J'ai complètement oublié c'est quoi les boutons du jeu. Attendez. Non, non, c'est pas ça que je veux. Oh, ok, c'est J, d'accord. Et est-ce que le bug du boudin est encore là? Donnez-moi une seconde. Oula! C'est la fin pour toi, madame! Ah, 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 je vais te couper un petit morceau, voyons donc! C'est juste que... Wow! C'est quand que tu dis ton attaque? Je l'entendais depuis le début, elle voulait jamais le lancer, man! Prépare-toi à te faire détruire! Revolver Ravager! Ainsi que... Blablabla! Wow, Slayer of Goliath! Ça a pas trop bien marché, mon affaire! Faut pas que je la détruise avec ses épées, il faut que je fasse attention... Je crois que comme ça c'est correct. Et maintenant ce que je vais faire c'est changer de fruit comme ça, voilà. Et là, attends, j'ai pris le Portal Fruit. Non, je vais prendre Phoenix, voyons donc. Je me suis complètement trompé. Donc, canon. C'était pas assez. Régénération flamme pour me guérir. Tu ne mourras pas, Martino. Et Fast Kick. Oh, tu m'as eu, bro. Ok, transformation finale. Canon. Oh, oh my god, yo, t'es détruit là. Ça prend plus de temps que ce que je pensais. T'es pas encore dead, brother! Non, mais pour vrai, regardez ça, elle a plus de vie. Et le truc, que... Même si je l'attaque, ça fait zéro dégâts. Ah, mes statistiques, j'ai zéro truc dans Blox Food, c'est parce que je suis faible! Oh my god, je viens de remarquer ça, voyons donc, il faut que je change mes statistiques. Et là, oh my god, ça va prendre 10 ans. Attendez, est-ce que je peux la détruire quand même? Selon vous, donnez-moi une seconde. What the hell is happening, bro? Attendez, elle m'attaque. Plouf! Wow! Ok, j'ai 0 point dans Blockfoot. Il faut que je fasse un refund. J'ai pas le choix. Je dois dépenser des Robux pour ça, voyons donc. Ah, ça fait mal au cœur, mais bon, quand il faut le faire, il faut le faire. Et maintenant, attendez, comment on fait ça? Refund, voilà. 2-5-5-0. Alors, on va mettre ça dans Blockfoot. Melee. Et défense. Et là, j'ai dit mêlée défense. Ah, yo! Aujourd'hui, je dis n'importe quoi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Honnêtement, la plupart du temps, je dis n'importe quoi. Alors, je suis vraiment désolé. Et vous l'avez vu. En tout cas, on doit aller ici. Parce que je vais prendre une petite quête ici. Comme ça. Et puis là, je vais détruire les petits doutes qui sont autour de là. Parce que je crois que c'est plus facile de le faire. Mais là, comment on fait ça encore? Il me semble que je dois les attaquer comme ça. Les rassembler. Et ensuite, je les détruis avec mon phoenix. Mais avant de les détruire avec mon phoenix, je dois les puncher comme ça. Et je vais utiliser... ça, je sais même pas comment on appelle ça là, mais bon. Attendez. Il y a un doute qui est presque dead. Bon. Canon! Oh my god, ils s'envolent comme ça. J'aime pas ça quand les gens s'envolent comme ça parce que ça prend du temps pour les détruire à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Si je fais full transformation, peut-être que mon canon va pas les envoler comme ça. Laissez faire, je les envole. Alors, pour pouvoir, vous savez, devenir V2 à Mastery 400 là, ça va être long. Ça va me prendre 10 ans, on dirait. Oh non, 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 non! Non, je suis juste en train d'être là! Je vais entraîner mon Phoenix et tout!
Non, comment, mon bon. Le bon côté des choses, que je peux pas faire des traits en PVP maintenant. Mais le bon Dieu! Mon Phoenix est seulement à 293. Mais vous savez quoi? J'ai appris la technique, regardez ça. Donc, je les amène avec moi comme tout à l'heure. Mais là, il faut juste que je les punch bien. Si je les punch bien, tout est tiriduto amigo. Regardez ça. Voilà. Ta, 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 ta. J'ai activé ça pour faire un petit peu plus de dégâts. Tranquille. Je peux détruire un jour comme ça. Voilà, perfecto. Et là, wujo. Ma bad. Attendez, venez ici. Ok, ouais, ma technique marche beaucoup moins bien que tout à l'heure pour quelques raisons. Ça va bien, mon affaire. Non. Martino, j'étais sur le point d'arriver sur mon cours. Regardez, il est à 388, mon mastery, voyons donc. Cela fait une heure que je suis en train de farmer. Le dude est en train de me tuer, voyons donc. Laisse-moi tranquille. Donc, vous savez quoi, je devrais juste me laisser faire détruire. Comme ça, il peut plus me détruire après. Ouais, vous savez quoi? Vas-y. Allez. Vas-y, bro. J'espère qu'il est content. Maintenant, je vais avoir la paix. Impossible que j'atteigne pas le Master 400 maintenant. Je me suis fait chasser par des pirates féroces à longueur de journée. Et maintenant, j'atteins le Master 400. Et c'est tout ce qui compte. Let's go. Alors maintenant, je peux partir de cet endroit et aller vers l'autre endroit. Et je sais pas si où l'autre endroit, mais en gros, il y a un scientifique qui devrait me vendre un microchip de je sais pas quoi. Il faut que je le retrouve. Il se retrouve autour de là. Je sais il est où exactement, mais je sais pas sur quelle île exactement. Je sais pas comment le dire là, mais... Non, c'est pas sur l'île là-bas. Je crois que c'est sur cette île. Je pense que oui. Oui, c'est sur cette île. Ok, regardez ça. On va voler comme un fou. Et ça prend 10 ans, les amis. Je suis juste content d'avoir atteint le Mastery 400. Alors, voyons voir si c'est vrai. Si je vais ici, je devrais retrouver le scientifique. Ici, je pense. Voilà. Va-t-il me donner mon chip pour le Phoenix? Thanks for your help. Do you need help with anything? Yes! Would you like to purchase a dose special microchip for... Non, c'est... Non. C'est pas ça que je veux, les amis. Oh non, je me suis trompé. Je suis allé voir le Kick Scientist. Il faut que j'aille voir le Sick Scientist qui se retrouve sur l'un de ces toits-là. Mais je sais pas sur quel toit, pour être honnête avec vous. Il faut juste le retrouver qui est juste là. Attendez. Oh, ok. J'ai mal lu vos commentaires. My bad. Hey, I was wounded by the fighting of pirates on this island. Please help me. Attempt to heal. You currently have no way of healing the man. Ah, ok, il faut que je le guérisse. C'est pour ça qu'il faut que je sois Master 400 avec Phoenix. Mais en fait, j'avais même pas besoin d'avoir Master 400. Juste à quoi? 100, c'est correct, non? Non, 90, my bad. Donc voilà! Hello? Ça marche pas? Ok, attendez, peut-être que maintenant ça va marcher. Oh, ben voilà, il fallait juste que je lui parle, voyons donc. Thank you, I'm healed. Did you know I'm a good scientist? Perhaps I can help you further evolve your abilities with that power. Sure. Would you like to purchase a Phoenix special microchip for 1000 fragments? You can only do this every 2 hours. Wow, ok. Merci beaucoup, mon frère. Il m'a vendu le chip, je lui ai sauvé la vie, mais il m'a vendu quelque chose en échange. C'est quoi cette affaire-là? Il aurait dû me le donner gratos, non? Mais bon, ce n'est pas grave, les potos. Alors là, je suis de retour ici. Je vais utiliser mon microchip pour le Phoenix. C'est comme ça que je peux le faire, non? Advance. Phoenix. Would you like to trade 1 million? Ah, yo, attendez, c'est vrai. J'ai pas besoin de parler avec lui quand j'ai déjà mon microchip. Yo, vous avez eu ça? Ça fait une éternité que j'ai pas joué au jeu. Bon, maintenant, je sais pas à quoi ça va ressembler, ce Phoenix raid de fou, là, mais... première chose que je vais faire, c'est aller chercher ceci. Can I change food while you're stunned? J'étais stun? Depuis quand? Je sais pas depuis quand je suis stun. C'est vrai, depuis le début, j'ai jamais utilisé le haki quand je me suis battu, quand j'ai farmé. Ça aurait pu être plus rapide, ça m'a pris une heure et quelques. Oh, mon dieu, que je suis débile! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de raid, c'est crazy! C'est tellement le fun! Mais bon, on doit aller là-bas. Alors là, je me rappelle même pas si dans le passé j'ai déjà fait un Phoenix raid. Il me semble que non. Parce que là, c'est la première fois que j'ai son microchip, non? Mais. Ouais, ok, non, c'est la première fois que j'ai fait ça. J'ai jamais fait ça avec les autres. Je me rappelle que j'ai fait une tonne de raids avec d'autres personnes, mais j'ai jamais fait ce raid-là en tant que tel. Voyons voir ça donne quoi. Qu'est-ce que c'est? What? Nani? Comment ça, il y a des CBS ici? C'est pas moi. Je les ai pas summoned. What the hell, bro? Ok, yo, qu'est-ce que je suis supposé faire? Oh, est-ce que je peux l'attaquer comme ça?
Ok, y a pas de petits losanges sur leur tête. Alors selon moi, j'ai pas besoin de les attaquer. Et là, j'ai utilisé mon Bankai sur la quatrième île. Je crois que c'est la pire idée de ma vie. J'aurais peut-être dû garder ça pour la dernière île, voyons donc. Attendez. Come on. Yo, c'est bon, on va le faire se faire du cru, c'est ça, moi, ici, je peux être dans mon île, voyons donc. Ah! Stop it, boys. Attendez. Encore un coup. Yes! I'm out of here, bro! Je m'en vais! Je suis rendu dans le château de Peach ou quoi? Island number 5. Alors là, c'est là que je vais rencontrer Marco. Ou peut-être un clone de Marco. Et là, j'ai même pas vu à quoi ressemblent ces bonhommes. Ah, ok, ils ressemblent à ça. Ils sont bien drôles, voyons donc. Mais bon, j'ai pas le temps de miser avec eux. Moi, j'ai des boss à aller détruire. Oh, come on! No way que c'est comme ça! Oh, vous n'êtes pas sérieux. C'est la fin pour moi. I'm so dead, les brothers. Yo, les potos, j'ai réussi à coincer le boss entre ce pilier, ou devrais-je dire cette tour, et cette maison, alors il ne peut plus s'enfuir! Ah, ah, ah! Yo, je sais même pas à quoi ressemblent ces attaques parce que je suis tellement gros que je le vois même pas, voyons donc. Mais bon, Yo, j'ai essayé d'utiliser mon solu, ça n'a pas marché là. Comme ça, voilà! Oh, comment, bro? Yo, il faut pas que j'oublie de changer. Attendez. Ok, le boss est dead. Alors là, il faut que je change à Phoenix. Sinon, cela ne marche pas. Attends, Phoenix. Voilà, perfecto. Donc, est-ce que tu es prêt? Attends, non! Non. T'es prêt à te faire avoir, bro? Oh, wow, ok, attends. Oh, je crois que là, c'est bon. Attendez. Regardez. Ok, attendez. Show! Yes! Oh, je l'ai fait en 10 minutes. Alors là, il faut que je fasse ça 5 fois. Aïe. Ah non. Ok, salut toi, boss. Comment ça va? Greetings, mortal. What do you seek? Ascension. Do you wish to awaken your Z ability for 500 fragments? Bien sûr. Alors, au début, le canon ressemble à ceci. Ouais, ok, d'accord. Alors là, je vais faire ça comme ça. Of course. Ability Awaken. Donc ça devient Crémation Canon. Ça ressemble à quoi? Ouh, c'est bien bon. Et attendez, quand je transforme, ça a l'air de quoi? Attendez, on va voir ça tout de suite. Donc Crémation Canon. Ah, ça fait en sorte que je me détransforme. C'est pas bon cette affaire là. Mais là je suis en train de me demander quelque chose. Est-ce que je peux faire un autre raid? Donc Advance, Phoenix. Je dois attendre. Mais bon, j'ai des fruits avec moi. Et il faut que je donne un fruit qui vaut 1 million et plus, si je me rappelle bien. Donc, donnez-moi une seconde. J'ai une tonne de fruits avec moi, mais je sais pas qu'est-ce qui vaut 1 million et plus. Je vais tenter Magma Fruit, puisque j'en ai une tonne. Donc, on prend le Magma Fruit. Et là, je fais Talk, Advance, Phoenix. Would I to trade a $1 million plus physical fruit for a Phoenix? Trade. Ça marche pas avec ce fruit. Ça vaut pas 1 million cette affaire-là? Le fruit de Akainu n'a pas marché, mais le fruit de Whitebeard, ça devrait marcher. Allez, Shinoige! Ne m'abandonne pas! Non, je vais pas le manger, what the hell, bro? Moi, je vais faire un échange, voyons donc. Donc, Advance, Phoenix, Trade. Yes! On peut le faire! Alors là, j'ai pas besoin d'attendre 2 heures. Let's go! On va solo cette affaire-là encore. On n'a pas le temps de niaiser. Tu ne fais pas le point, petit malin, que je ne vois pas. Maintenant que je vois pas les cibis, ils ne peuvent pas m'attaquer. Et là, poignée de pierre, c'est ultra méga. Oh my god, facile. J'aurais jamais dû parler trop vite comme ça. Ma bad, les amis. Attendez. Sorry, Beast! Ok, vous savez quoi? Je crois que je vais juste faire des auto-attaques. J'arrive même plus à parler. Des auto-attaques comme ça. C'est aussi simple que ça. Et vous savez ce que je vais faire? Utiliser le bug du Bouddha. Ouya! Vous ne pouvez plus vous en faire de moi, les Martinez! Je vais tous vous dire comme ça, bande de petits pions! Tranquille? Il faut pas que je tue le dernier dude. Ouh, faut faire attention. Attendez. Prends ton temps, mon Tichino, venez-le. Voilà, perfecto. Et maintenant, on va changer le truc à ceci. On va prendre ça. Oh non, non, non! Oh, je me suis complètement trompé. Je sais pas pourquoi je prends toujours pour le truc là. Mais bon. Il me reste encore 5 minutes 32. Tout à l'heure, c'est quoi? 5 minutes et 12? 5 minutes et 13? Ah, ok. 15 secondes plus rapide.
pas si pire que ça. The blue moon is beginning to fade. Ah, ok, le blue moon est parti, d'accord. Donc, je crois qu'on va améliorer ceci ou le hybrid flight. Je suis pas sûr à 100%, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Donc, greeting mortals, blablabla. Ah, ok, ouais, c'est le hybrid flight qu'on va améliorer. Donc, hybrid flight devient swift flight. Ok. Je suis plus rapide ou quoi? Je vois pas une grosse différence pour être honnête avec vous, mais selon moi, je suis plus rapide. Ok, alright, bon, je l'accepte. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre un autre... Oh, yo, je me trompe toujours, les amis. Je vais prendre un autre fruit. Et là, je vais prendre... Yo, Phoenix Fruit. Pourquoi pas, pendant que je suis là, n'est-ce pas? Donc, est-ce que je peux prendre le chip qui est là? Yes! Je peux le faire longueur de journée, c'est confirmé. Donc, on y va, les amis. On commence le raid et on se revoit dans quelques instants. Yo, les potos, pour vrai, je commence à être de plus en plus rapide, voyons donc. Donc, donnez-moi une seconde, on va prendre le Phoenix Fruit. Et yeah. Oh, wow, 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 pépito! Voyons donc, prends ça! Crémation canon! Alors là, il me reste encore 6 minutes et 15! On s'améliore de plus en plus! Yo! Si ça continue comme ça, je pourrais terminer le tout en moins de 15 minutes! Ah, enfin, j'espère, man! Donc, le truc qu'on va améliorer, c'est sûrement... Regeneration Flames! Ça va sûrement devenir plus gros, ça va aller jusque là, en termes de rayons! Je dis n'importe quoi, je sais pas vrai. Ascension, do you wish to awaken your X ability? Oui! Donc, Regeneration Flames devient... Blue Flames. Oh, ok. Hey, what's up? Not joking, I'm saying that right now. Oh, ok, ouais. Donc, Blue Flames. Oh! C'est ce que je vois les gens utiliser d'habitude lorsqu'ils ont le fruit du phénix. Wow, c'est insane. Oh boy, les potos, il y a deux autres personnes qui se sont joints à moi et puis ce sont les dudes qu'on a vus tout à l'heure. Je les connais pas. Eux, là, ce sont des purs inconnus. Ils se sont juste placés sur des trucs pour faire des raids. Et j'ai accepté. That's it. On s'est même pas parlé. Mais bon, s'ils veulent m'aider, peut-être qu'on peut atteindre un record du monde. On sait jamais. Yo, il faut que je fasse attention. Attendez, il faut que je change de fruit avant que ce ne soit trop tard, n'est-ce pas? Donc, on va prendre le Phoenix Fruit. Comme ça, s'ils détruisent tout le monde, eh ben... Wow! Je me suis fait envoler comme un fou. Ça, c'était insane. Prends-en! Et prends mon kick! Ya, 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 ya! Il a... attendez... Oh my god, brothers! Moi là, je vais pas changer de prix, je vais même pas prendre le God Human pour attaquer parce que j'ai peur que je foire mon coup. Pourquoi risquer comme de foire son coup, n'est-ce pas? Non, non, moi je garde mon phoenix attaché à moi, voyons donc. Donc il reste seulement un goût d'aller détruire. Chant! Yacha! Vous pouvez le faire, les amis! Attends, c'est juste que moi je peux pas attaquer. On dirait qu'il y a plusieurs attaques, mais j'en ai que deux. Ça qui est malheureux. Yes! Il reste 6 minutes et 50 secondes. C'est un tout petit peu plus rapide, mais moi, je la prends celle-là, voyons donc. Maintenant, on va améliorer le fast kick qui ressemble à ça. Ok, d'accord. Let's go. Donc, greetings, blablabla. Have a weekend pour 4000 fragments. D'accord. Donc, le fast kick devient Flame Exodus. Oh, ok. Ouais, donc, je sais pas, le fast kick était plus simple, plus nice, je trouve. Mais bon, on va voir si ça fait de quoi si je me transforme. Ok. Toutes mes attaques V2, même si je me transforme, ça sert à rien. J'ai compris. Ok, je tiens à vous dire quelque chose. Vous vous rappelez tout à l'heure pour le raid, là? Où est-ce qu'on était trois bonhommes, moi et deux autres? En fait, on était seulement deux à faire le travail. Et ce dude-là, il a fait la même chose. Pour les premières étapes, il reste là et puis il vient à la fin pour faire comme s'il travaille. Je voulais pas le dire, là, mais... Bon, vous le voyez, est-ce que c'est normal? Bon, je sais ce qu'il fait, il veut pogner des fragments gratos sans travailler. Mais ça ne me dérange pas, écoutez, c'est pas comme si j'ai payé plus pour qu'il soit là, et c'est pas comme si la difficulté du raid augmente. Ben ça augmente pas, n'est-ce pas, les amis? Ok, en tout cas, ce que je dois faire, c'est faire ça comme ça, et maintenant, on va aller le détruire! Est-ce que... Vous êtes prêts, les amis? Flame Exodus! Hey, what the hell? Oh, c'est comme ça, je savais pas, bro! Ok, on s'est fait meilleur que le kick normal! Alright, c'est bon! On a terminé, il reste encore 6 minutes de belle fois. Et maintenant, c'est la full transformation qu'on va améliorer. C'est-à-dire ça, n'est-ce pas? Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il a à dire. Greetings, Mortal Ascension! Do you wish to awaken your tap ability? Tap ability? What the hell is tap ability?
Attendez, hello, tu parles de ça? Yo, je sais même pas c'est quoi tap ability. Bon ben yo, je vais le faire. Mais ok, ability tap upgrade. C'est quoi tap? Le nom a pas changé. Regardez ça! Il est revenu, il a bougé parce que lui il est terminé. On va voir s'il veut encore faire ça. Parce que là, je sais pas. Ouais, ok, il veut des fragments gratos, je pense. Mais bon, c'est quoi ta tapabilité? Il faut que je cherche ça. Les amis, je sais c'est quoi! Regardez quand je fais un clic gauche. Oh! J'ai enfin une attaque! No way, est-ce que je peux l'utiliser souvent? Ah, en plus, je peux diriger où je vais. Attendez, regardez ça. Si je vais aller en haut vers la lune, je peux le faire! Oh! Ok, yo. Ça, c'est nice. Ça, c'est l'un des trucs que j'aimais pas trop du Phoenix Fruit. C'est que j'ai pas de clic gauche pour pouvoir attaquer mes ennemis. Mais maintenant, j'en ai un. Alors, c'est nice. Alors, on va faire un dernier raid parce que je suis sûr à 100% que je peux avoir une autre transformation, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va faire ça comme ça et... Oui, le dude, il veut pas des fragments gratos? S'il veut venir, il peut le faire. Moi, ça me dérange pas, hein, parce que c'est des places gratuites. Ça me dérange vraiment pas. Mais bon, il est pas là. Je vais pas l'attendre. Prépare-toi à souffrir, mon petit Martino. Oh my god, yo, c'est moi qui souffre. Oh, attendez, je vais te taper. Et ensuite, je vais te faire envoler. Alright, c'est bon. Donc, je peux avoir le dernier skill d'améliorer pour le Phoenix Fruit. On a éveillé au complet avec ceci. Donc, la full transformation, c'est vraiment ça qu'on va améliorer maintenant, n'est-ce pas? Mon petit Marco? Yes? Non? Ok, alright. Donc, ici. Greetings, mortal. Do you wish to awaken your V-ability for 5000 fragments? Yo, je commence à manquer de fragments, bro, man. Donc, full transformation devient... Blazing plumage. Yo, il faut aller dehors. Regardez ça, en plus, il commence à faire soleil. Ok. Ouais, je vois une mini différence, mais. Est-ce que ça change mes habiletés? Oh, bah oui! Ok, maintenant je peux utiliser ces habiletés pendant que je suis en Phoenix Form! Oh, d'accord. Donc, attends, Flame Exodus, ça ressemble à quoi? Ok, c'est moins wow que ce que je pensais pour la caméra avec vous. Quand j'ai fait ce flight, ça fait ça. Mais là, ça là. Ça, c'est super nice! Oh boy! Je l'ai full éveillé maintenant et tout ça, c'est grâce à vous, ma chère familia du monde entier. Sans vous, là, j'aurais jamais su ça. Mais bon, ça va être tout pour cette vidéo et on se voit la prochaine fois. Alors, mes chers amis, que voulez-vous que je fasse la prochaine fois sur Blox Foods? Dites-le-moi dans la section de commentaires en bas de cette vidéo et je vais peut-être le faire la prochaine fois, voyons donc. Et vous savez, cette vidéo m'a pris beaucoup plus de temps à faire que prévu. J'avais prévu d'aller éveiller mon frère du Bouddha au complet. Comme, parce que j'ai juste le premier skill d'éveiller, là. C'est quoi cette affaire-là? Bon, en tout cas, ouais, c'est ça. Et y a quoi d'autre? Ouais, en gros, c'est ça. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, me suivre sur ces réseaux sociaux. Blablabla. Thank you very much for the support, amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!